Donc, pour enlever un piston, c'est pas très compliqué. Il faut tout simplement s'assurer de bien marquer le chapeau de la bielle. Donc là, il est déjà c'est desserré, donc je vais tout simplement l'enlever. Puis après ça, je vais tout simplement l'enlever. Et pour le retirer, la seule chose que j'ai à faire, c'est de pousser au niveau du piston ou de la bielle pour aller le retirer. Là, on voit que le vibroquin est en haut. Okay? Fait que ce que j'ai à faire, c'est le pousser. Il est relativement dur. Tout ce que je peux faire, c'est aller chercher un marteau de plastique pour le retirer. Quand il est décollé, il faut que je mette ma main en dessous pour le retenir pour pas qu'il tombe par terre. Hein? Évidemment, quand il y a des boulons, là, les boulons ici avec le chapeau, ils sont ensemble, là, ça va bien. Mais si les boulons restaient là ou les vis resteraient là, il faudrait que je mette des tuyaux de caoutchouc pour protéger, pour ne pas rayer les parois de mon cylindre. Donc, je vais pousser et là, je le ressors par en bas. Donc, quand je l'enlève, évidemment, le chapeau... Lui, ça va bien parce qu'il y a des marques, justement, pour savoir exactement comment je vais le fermer. Au niveau du piston, qu'est-ce qu'on va vérifier rapidement, là? Je vais enlever mes coussinets et après ça, je vais prendre ma jauge hantée pour vérifier la localisation de mon chapeau et ma bielle. Et au niveau de mon piston ici, dans d'autres vidéos, j'ai expliqué au niveau des segments qu'est-ce qu'il y avait à vérifier, mais on va mesurer aussi la jupe du piston. Et dans certains cas, quand on peut enlever l'axe du piston, on va l'enlever et mesurer son diamètre. Évidemment, là, l'étang, en ce moment, il est quand même relativement bon. On peut regarder aussi l'usure ici au niveau de la jupe, qui n'est pas très élevée. Ici, on aurait des rayures qui sont très prononcées. Mais là, c'est là qu'il faudrait qu'on remplace probablement le piston. Au niveau du cylindre, je vais le déposer. J'arrive au niveau du cylindre. Quand je le tourne, ici, on voit à l'intérieur, si je touche les parois, ils ne sont pas rayés. Mais on voit qu'ils sont glacés. Dans certains cas, il y a des parois du cylindre qu'on peut faire un alésage. Dans d'autres cas, on ne peut pas le faire. Donc, c'est un bloc qui est en aluminium. Dans ce cas-là, ce n'est pas des chemises où est-ce que c'est en acier, où est-ce qu'on peut faire un alésage. Et quand on veut réinstaller notre piston, évidemment, il faut avoir de l'huile moteur. OK, donc je vais tout simplement enlever le chapeau, utiliser l'outil pour installer ici les segments. Juste pour vous faire remarquer, quand on réinstalle un piston, il y a les ouvertures qu'il faut faire un tiers, un tiers, un tiers, donc au niveau aussi de celui de racleur. Donc, je vais l'installer ici. Là, il faut que je l'ouvre. Je peux avoir un peu d'aide, s'il vous plaît. Juste maintenir ça. Évidemment, là, je vais vous donner un exemple là, pour que ça soit que ça rentre très, très bien. Mettez un peu d'huile sur les parois. OK. Des deux côtés. Pour que quand ça va rentrer avec l'outil, ça rentre bien. On va mettre de l'huile aussi sur les parois ici. On va serrer ça, mais il faut laisser un peu de place au niveau, de la jupe pour réussir à guider. Si on sent trop fort, c'est pas bon. Évidemment, on voit que les segments, ils vont être insérés à l'intérieur des gorges. Je vais pouvoir rentrer mon piston. Évidemment, il y a un sens. Donc, comme ceci. Donc, j'ai bien huilé. Et j'utilise jamais un marteau en acier pour taper sur le piston. Je peux utiliser le manche, étant donné que c'est en caoutchouc. La seule chose que je vais faire, c'est juste pour égaliser ici. Pour s'assurer que c'est bien rentré et que l'outil
soit bien assis au niveau de la tête. Et la chose que j'ai à faire, j'ai fait en sorte que mon vilebrequin soit, je vais vous le montrer quand je vais le tourner le bord, là, qu'il soit très loin. Quand je vais insérer le piston, que la bielle n'aille pas cogner sur le vilebrequin en bas. Donc, j'ai tourné, comme je vous dis, le vilebrequin en bas. Donc, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement cogner dessus pour le rentrer et le tenir. Et voilà. Ça rentre déjà mieux quand on a de l'huile. Et après ça, je vais le retourner ici. Encore là, on voit qu'il est libre ici. Il faut s'assurer que les segments, pas les segments, mais le coussinet soit à sa place. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut prendre la mesure, ce qu'on appelle le hard clearance au niveau du vilebrequin ici. Là. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il faut avoir une surface qui est propre, sans huile. Et après ça, tout simplement ramener. Évidemment, là, il est un petit peu dur à remonter. Donc, je peux le pousser un petit peu. Donc, pas d'huile, bien propre. J'ai mon coussinet qui vient de bouger. Donc, il faut le mettre à sa place correctement. Si je ne le mets pas à sa place correctement, ça ne va pas bien. Je vais juste rabaisser le piston un petit peu. Juste vous montrer là, au niveau du segment, est-ce qu'il a décoloré, est-ce qu'il est devenu bleu, est-ce qu'il est grugé. C'est toutes des choses qu'il faut vérifier. Ici, on a un trou de lubrification. Évidemment, il tombe vis-à-vis un autre trou de lubrification au niveau de la bielle. Fait que c'est bien important d'installer à la bonne place. On voit aussi qu'il y a des barrures là, pour éviter qu'il tourne sur lui-même. Donc ça, c'est très important. Ils ont des codes aussi au niveau de l'épaisseur. Donc si je voudrais avoir des coussinets qui sont plus épais, je peux avoir accès dans certaines manufacturiers à avoir des grandeurs différentes. Donc, quand je vais l'installer, il est un petit peu dur le piston à remonter. Voilà. Et après ça, ça me prendrait du plastic gauge. Donc, plastic gauge, on va l'installer dans ce sens-là, ici. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'huile. Fait que là, on voit que c'est propre. Moi, je vous avise de faire attention de ne pas toucher les coussinets avec vos doigts. Vous avez souvent des petits résidus de poussière, soit de métal ou des choses comme ça. Et fait qu'il faut vraiment faire attention. Quand vous allez réinstaller, c'est sûr qu'il faut mettre de l'huile. Mais là, pour le test, il faut tout simplement mettre du plastic gauge. Donc, je vais l'insérer ici. Oups, excusez-moi, je vais juste faire un petit morceau. Donc, je prends mon petit morceau. Je vais serrer ça au couple de serrage et après ça, je vais retirer pour voir à quelle épaisseur elle est. Là, je ne l'ai pas serré, donc on voit comment, dans quel sens elle va là, au niveau du plastic gauge. On va le mettre dans ce sens-là et ça va me donner le jeu d'huile ou le oil clearance au niveau du piston et de la bielle. Donc, je continue au niveau du couple de serrage. Ici, on a trouvé... Connecting Rod Cap, donc il y a deux steps, donc 11 livres pieds et après ça un 90 degrés à tourner. Donc c'est ce qu'il y a à faire au niveau du serrage pour aller vérifier mon oil clearance. J'ai trouvé aussi les spécifications du oil clearance, donc Connecting Rod Oil Clearance, alors ils sont ici. Évidemment, ça dépend des grosseurs, des épaisseurs des coussinets. Donc, moi, je vous dis que ce que j'ai trouvé au niveau de la mesure, c'est des spécifications, c'est ça. Ensuite de ça, donc, je vais le serrer. On va regarder ça ensemble. Donc, il est déjà ajusté. Évidemment, je vais avoir un petit peu de misère à serrer, étant donné que je n'ai pas l'adapteur. Donc, si je le serre... Donc, on va tout simplement serrer, après qu'on ait trouvé l'outil. Donc, on avait dit 11, puis après ça, simplement, faire un autre 90 degrés.
Ici, j'ai installé aussi une douille au niveau de ce qu'on appelle le main bearing, ou celui du tourillon au menton. Tourillon. Tourillon, bravo, c'est bon. Ça avance une question à un de mes élèves. Donc, j'enlève ici et je vais faire la même chose au niveau du jeu d'huile. Évidemment, il ne faut pas que je tourne le vilebrequin. Je commence à tourner le vilebrequin pendant que... Donc, j'enlève. Et je sais pas si on peut voir à l'intérieur, juste simplement sur les côtés ici, il y a des... ça ressemble un peu à des coussinets qui sont sur les côtés. Si eux, ils usent, on va avoir un jeu axial trop excessif. C'est pour ça qu'ils sont là. Des fois, les coussinets, ils sont fabriqués en un morceau. Donc, le coussinet, il va avoir des rebords qui vont revenir sur le chapeau du main bearing. Puis, évidemment, encore là, ils ont des sens. Donc, ceux-là sont déjà marqués. Évidemment, il faut bien enlever l'huile avant de mettre le plastic gauge. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre des plastic gauge. Évidemment, c'est un petit peu plus difficile à aller l'installer. Donc, je vais l'installer sur le chapeau, comme ça. Et après ça, l'asseoir. Encore là, lui aussi, il y a un couple de serrage. Le couple de serrage... Là, il faut bien le rentrer comme il faut, à l'intérieur. Je vais prendre ma douille pour m'aider. Juste pour vous montrer, connecter le All Clearance. Main Journal Clearance, donc le standard est ici.